à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de ce nouveau Let's Play avec Drisha qu'on avait laissé donc avec la prise de Mordheim et Deschênes. Donc t'es en train de soigner notre bois du Griffon. Petite rébellion normalement dans deux tours à Mordheim, dans trois tours en tout cas. À voir si on va chercher Nagenov, on va voir ce qu'on va faire. On va continuer donc à soigner cette forêt, c'est l'objectif de cet épisode. On va continuer aussi de recoter, d'essayer de générer un peu plus de thunes. Normalement on devrait prendre 300 de thunes le prochain tour et on pourra peut-être recruter dans le camp des bois profonds qui est un peu loin. Et je me demande si en fait vraiment on va faire ça. Si on va plutôt prendre des lémures malveillants. Ça va nous coûter une blinde, mais c'est vrai qu'il nous faudrait plutôt des tireurs. On a une frontaille, on n'a pas de tireurs. Il en faudrait quand même, même s'il y a un malus dessus, tant pis. J'ai pas pu prendre encore votre commentaire, hein, puisque bien entendu je vais tourner quelques épisodes à la suite. Je vais prendre bien entendu en compte pour la suite, donc n'hésitez pas à en laisser, n'hésitez pas également à mettre un petit like sur la vidéo si vous l'avez, si vous appréciez la série, et si vous l'appréciez à la fin, bien entendu, ne l'oubliez pas, c'est assez important pour moi et me permettre de m'émanciper des méandres de l'internet. Et si vous aimez cette communauté Warhammer, n'hésitez pas également à rejoindre le Discord de la chaîne, bien entendu, qui est en description, bien entendu également, qui vous permettra de trouver du contenu Warhammer, et puis sur les ceux qui découvrent la chaîne avec ce let's play, bien entendu, pour du contenu Creative Assembly, Paradox Interactive, VRIV, avec tout ce qui est Europa Universalis, Crusader Kings, etc. Voilà pour la petite pub. Maintenant, on va passer le tour, parce qu'on s'est arrêté en fin de tour. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, gros problème de thunes, hein. On l'a vu. Et on a une armée d'Ostermark qui doit être dans les parages ici, qui nous dévalise. Une menace pour la forêt est apparue à proximité. Les attaques contre la forêt ne sont pas rares, mais certaines menaces sont bien plus urgentes que d'autres. Ah oui. Cette attaque-là est imminente. Envoyez une armée pour arrêter les agresseurs avant qu'ils n'atteignent leur puissance maximale. Okay, puissant esprit des arbres, ceux qui marchent dans tes pas peuvent obtenir aspect des anciens en récompense, leur accordant ainsi des améliorations de leur capacité sur le champ de bataille. Ok, intéressant. Par contre, ça va être compliqué quand même, hein. On peut aller au bois du Griffon, mais on risque d'avoir une rébellion. Non, non, en fait, on est large. On est large. Donc, prochain tour. Ah, j'aurais peut-être pas dû aller en bonne marche. Bon, en vrai, on est passé à plus 899, on va pouvoir passer le tour, j'espère juste que ça va tenir. Et qu'on n'aura pas une armée trop puissante à affronter. On nous dévalise encore en Ostermark. Ça passait orange, hein. C'est passé orange. On pourrait recruter encore une brigade supplémentaire, je pense qu'on va pas trop se priver. J'ai peur de ce qu'on va rencontrer, les gars. Ça va. C'est une armée de l'Empire, avec des flagellants, il y a du mortier. On a quand même des chauves-souris. Et en plus, on attaque en embuscade. Donc en plus, on a le mode embuscade. Enfin, on a le petit attaque en embuscade qui va faire plaisir, je pense. C'est intéressant, ça aussi. Hein. Ça veut dire que du coup, on peut embusquer toutes les... Je pense qu'on peut embusquer dans ces batailles-là toutes les armées. Ce qui est normal, puisque du coup, ils viennent dans notre forêt. En fait, ils s'aventurent. C'est des troupes de l'Empire qui s'aventurent dans nos forêts. N'ont pas le droit, on ne va pas les laisser faire. Alors je pense que ça va être un carnage. Hein. On va se faire notre ligne de chiens juste là. Ça va éclater leur... Alors les pistolets, ça risque d'être un peu compliqué. En vrai, je pense qu'on va se mettre aussi deux dryades de ce côté-là pour les empêcher de trop fuir. Voire même une ici. Alors non, voire plutôt eux ici. Voilà, comme ça ils vont pouvoir tirer là-dessus. Eux, bien entendu, ils vont être là. On va aller sur les pistoliers. Et en vrai, ça, ça va être la grosse boulette. Hop. Avec l'homme arbre au milieu. Qui va faire partie du groupe 2. Drisha, bien entendu. Et en vrai, si on pourrait faire... Regardez, on va faire un petit truc sympa. On va mettre Drisha ici. Et on va invoquer des lémures. Essayer de les invoquer dans le tas. Et toi, tu vas te mettre là. Et tu vas me focus correctement, lui. Je crois que j'ai rien oublié. Alors, du coup, eux, on va peut-être les changer. Pareil, on va peut-être les mettre de ce côté-là, comme ils peuvent kite, on va les mettre en hauteur, on est pas trop mal placé ici. Donc groupe 2, on va pas parier, go, go et go. Allez, parfait.
On les ablob. Ok. Voilà, nickel. Il y en a quand même qui ont réussi un petit peu à fuir, mais ça devrait être bon. Allez, vous me focussez ça. Toi, tu me focus ça. Allez, ça m'a l'air pas mal. Je vous rappelle qu'on est toujours en bataille très difficile. Bien géré ce côté-là. Allez. On continue ici. Ok, ça vient flank ici. Bon là ça fait 10 dégâts. Normal pour le moment. Là ça va aller. Regarde un petit peu comment elle se bat notre bouche. Regardez-moi. Regardez-moi comme elle est badass. Des loups en contact aussi. Allez, on continue. Le focus marche bien. Là par contre, on go là-dessus. Du coup, si vous pouvez aller là-dessus. En vrai, on va faire en accéléré. Je peux vous montrer un petit peu. Parfait. Alors, quel bonus va nous apporter cette victoire? Gros taf des archers. On va se heal ou on prend la thune? Non, on va prendre la thune, on est quand même dans notre forêt, on devrait bien se heal. Bon, je pense que du coup ils vont disparaître, je les vois pas, je les vois pas rester, je pense, après l'événement. On va voir. Oh, je me suis trompé, ils sont là. On va se remettre dans notre forêt pour se régénérer un petit peu, et je pensais qu'ils allaient disparaître, mais non. Continue à prendre l'embuscade avec elle, et toi, tu as pris l'entraînement, on va te prendre l'œil de Cournous. Ça c'est top, avec les alliés à portée. Donc 10% de dégâts à distance de base pour tous les alliés à portée. Donc gros gros buff à mettre sur les archers. Parfait. Ici, bah, malheureusement, il nous faut un coup des semblables. On n'avait pas vu ça. Qu'est-ce que c'est le coup des semblables? Qu'est-ce que le coup en semblable? C'est la quantité de semblables requises pour construire ce bâtiment. Oui, certes. Certes, mais où est cette ressource? Est-ce que c'est ça qui donne du semblable? Absolument pas. Est-ce que c'est de la croissance, du coup? Oui, les semblables, d'accord, ok. Donc la croissance s'appelle les semblables. Donc le prochain tour, on pourra le faire. Donc les bâtiments coûtent de la croissance aussi, hein. J'espère que c'est pas une armée qui peut recruter. Ah oui, c'est ça, les semblables au sein de cette province. Ah bah si, héroïne. Piller cette région, Midenheim. Quête émise, coexil déchaîné. Ok. Va falloir aller loin. On a 3000 de thunes. On va pouvoir finir eux déjà. Ok. On va finir par prendre la thune toujours. 293, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. On a eu de la forêt. On est à 8. Faction détruite. Très bien. On a pris une épée. On va affecter tout de suite. Ah bah c'est directement affecté ici. C'est parfait. Niveau 6. Donc il va falloir qu'on parte. Là, on part sur l'intégrité. Ça pourrait être intéressant de partir sur l'intégrité avec des vampires à côté. Partir sur l'intégrité. Et toi, tu vas donc partir sur l'entraînement niveau 2. Ah, quoi qu'il y avait les chasseurs, armée du héros, réduction du temps de rechargement lors des batailles en forêt. On va prendre quand même l'entraînement niveau 2. Et là du coup, on va pouvoir avoir, parfait, des éclaireurs. Alors, attention, ça coûte 210.
Ça coûte 210 d'entretien. On pourrait en avoir quelques-uns. Je pourrais aussi avoir des gardes. Les gardes coûtent 158, donc un peu moins. Ils ont l'avantage d'avoir les attaques empoisonnées, mais d'avoir un peu moins de portée. Et de faire des attaques magiques aussi. Hein. Par contre, ils n'ont pas le déploiement d'avant-garde, nos gardes Sylvains, eux l'ont. Pas mal d'en avoir un quand même, je pense, un de chaque. En vrai, pour en avoir trois. Ah ouais, on a de la thune. Hein. On a de la thune. Et donc, du coup, on va pouvoir prendre le bâtiment de thune aussi, je pense. Celui-là qui nous donne 600 de revenus, plus 1%. Et qui nous permet de produire des tonneaux. Améliorer notre income. Le Sirland est toujours là. Ça reste stable. On a moins 7. Ici, on a combien? On a plus 2. Ça, c'est très bien. Notre garnison a un peu monté, on a maintenant un homme arbre malveillant en garnison, on a toujours la garde éternelle, les dryades, on a pas mal de... Et on pourra en plus le passer niveau 2, voire niveau 3. On va essayer d'améliorer nos boîtes de la meilleure façon possible. Une guerre déclarée entre Torgovan et les hommes bêtes. Ça nous concerne pas trop. Ah! Ça c'est, alors ça c'est un peu de la merde ça. Croissance moins 10 ou moins 12% pour les revenus ou taux de reconstitution et coût de recrutement pour les armées. 10 tours. Croissance moins 10. On va prendre des armées estropiées. Un peu dégoûté pour ça. En vrai on peut quand même se régénérer correctement ici. On est qu'à 375. Si je me mets là, on va se mettre là un petit tour. On va prendre une techno. La techno, on va prendre celle-là, je pense. Octroie plus 1 de santé de la forêt en remportant des batailles dans les forêts magiques ou dans leur land. Ouais, on va plutôt prendre ça pour l'instant. Parce que du coup, on va peut-être raser à terme. Surtout Béchafen, je pense qu'on rasera. Et Naganov, on risque de la prendre. Donc là, objectif Naganov. Hein. Et je pense qu'on va y aller dès le prochain tour. Pour être tranquille, j'ai pas mis de bâtiment non plus à Mordaine et ça on va y regarder s'il n'y a pas des bâtiments de thunes. Alors le problème c'est qu'il y a les vampires qui sont pas loin. En vrai faudrait que je les rentabilise assez vite. Donc on a terminé des vignes. On est passé à 980 de thunes. Donc ça on a dit non. La croissance non, l'ordre public non, est-ce que je prends ça? Croissance plus 5 dans toutes les provinces avec une petite garnison de lémures et de guerriers faucons. Taux de reconstitution pour les armées locales. Et là, du coup, ouais, c'est chaud. Toutes les provinces adjacentes, en fait, si, ça c'est top. On prend du plus 20 de croissance au bois du Griffon, puisqu'elle est adjacente. Et en plus, on prend une grosse garnison. Et on pourra contenter des gardes de Sylvain ici. Pour 500 de thunes, je pense que c'est intéressant. Ok. On va commencer à se déplacer. Est-ce qu'on peut recruter quelque chose? Ouh, des araignées géantes. Je sais pas trop ce que ça fait. Attaque empoisonnée, c'est perce armure. Ça a l'air pas mal, en vrai. Hein. On va continuer au compte. On va prendre une seule unité d'armée. Voilà. On va prendre ça. On est à 585 de thunes. En vrai, on a une petite frontline sympa de dryades. Il y en a 19 sur 20. On pourra même recruter notre araignée bientôt. Et Naganov, peut-être pouvoir y aller. Hein. En vrai, je me demande si on va même pas faire ça pour être sûr. Voilà. On est sûr d'attaquer le prochain tour en espérant qu'il n'y aura même pas une arme en mode marche et qu'il nous attaque avec celle-là. Une armée full. Guerre déclarée avec le clan Féric, c'est un nouveau clan, Skaven. Vous connaissez pas le clan Féric? Je vais regarder un petit peu sur le sud pour voir. Alors, d'abord, événement écocide. Comme cela a toujours été le cas depuis leur espèce primitive et parasite a commencé à bâtir des villes et à polluer leurs terres, les hommes de l'Empire empiètent sur la forêt par tous les côtés. Alors qu'ils arrachent les arbres de la terre et qu'ils labourent sans vergogne un sol fertile qui autrement abriterait nos jeunes arbres bien-aimés, où vous entendez les cris de douleur que vous adresse la flore d'ordinaire insensible. Animée par un sentiment de vengeance, l'armée des bois s'est emparée de certains de ces hommes de l'Empire et les a traînés devant vous, hurlant et craignant pour leur vie. Ce qui est la moindre des choses, que comptez-vous faire? Ah, ça me fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux avec les Ents. Et les orques. L'odeur de la chair. Portée de déplacement, moins 15% pour toutes les années ennemies, déboutant leur tour dans leur région et commandement ennemi, moins 8. Intéressant. Il faut sans cesse rappeler aux hommes de l'Empire que les bois morts
et tout ce qu'ils peuvent prendre ou ils mourront, ok, ou les transformer en engrais. Ordre de Pulis plus 5 et croissance plus 10. L'Empire souhaite commettre un écocide pour subsister, la forêt répondra son sang pour de même. C'est génial, en vrai, on va prendre ça. On va le transformer en engrais. Oui, il est vraiment pas mal, c'est long. Alors, vision surnaturelle, plus 15 dégâts de distance, on va encore booster ça, donc lui il va devenir vraiment pas mal. Hein. C'est du passif en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Capacité passive, plus 15% de dégâts à distance. Et Naganov. Ouais, assiégé. Ah bah, ça va être rapide. Donc soit on part dans notre stratégie d'occuper les landes, on va occuper les landes, on va partir sur notre stratégie, sur la première province autour de notre forêt, on va occuper les landes. Et après sur les autres, on va tout raser. Histoire d'avoir une petite forteresse autour. Franche incisive, dégâts donc pour les dryades et les dégâts pour les lémures. Intéressant, pour l'instant on va plutôt aller chercher l'attaque éclair. Donc on va partir sur le point d'intégrité, et prochain tour on pourra avoir le bonus de recrutement. On va répar. Donc on a plus 10, et là on prend du plus 2 par tour, normalement. Ça commence à devenir intéressant. Moi il faudrait que je passe à niveau 2, il me faut 2000 de thunes que je n'ai pas. Parce qu'il y a moyen que je les chope par la diplomatie. Je pourrais... pas avec le océan, non, ils veulent pas. Comment je fais pour me TP déjà? Alors, parce que ça, la nouvelle nouveauté, on l'a pas abordé l'épisode précédent, c'est qu'on peut se TP d'une forêt à une autre. Et je n'ai pas encore trouvé comment faire. Enfin, c'est via ce système là, hein, du coup. Sélectionner des forces se trouvant actuellement dans une forêt. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Donc, sélectionner des forces qui se trouvent actuellement dans une région de forêt magique et cliquer sur le bouton racine profonde sur une autre forêt magique pour vous y rendre instantanément. Un temps de repos est nécessaire. Les forces éligibles sont marquées par un. Ok, donc du coup, bah, normalement, Drisha sera éligible. Drisha, es-tu éligible? Pas se déplacer pendant ce tour, d'accord, on verra, on pourra tester. Une fois qu'on aura fini de sécuriser on va dire la première province. Ce qui est cool, c'est que ça rajoute pas mal de forêts aux alentours, donc on va aller sur Béchafen. Et si on arrive à prendre Béchafen, qui est une petite garnison, on essaiera de se TP, peut-être au bois morne, ou peut-être ailleurs, hein, on verra. Peut-être loin d'ici d'ailleurs. Donc attention à pas ouvrir trop de fronts non plus, je pense. Donc là pour l'instant, est-ce qu'on balance 500 de thunes pour... Est-ce qu'il y a un bâtiment de thunes là-dessus? Pas de bâtiment de thunes. Hein. Si revenu général en rasant les colonies pour les régions adjacentes, pas trop le but là pour l'instant. On va pas aller attaquer les régions adjacentes. Et ici, en vrai, c'est pas mal. Une belle petite garnison. Et coût de construction moins 5%. Donc pareil, on prendrait le bonus de construction. En vrai, on peut avoir un putain de bonus de construction si on met ce bâtiment sur toutes les provinces. Le bois d'Ourivon va croître à une vitesse de fou. Et le Starmark s'est barré. Et le Wissenland déclare la guerre au Stirland. Pour l'instant, niveau diplomatie, tout le monde s'en fout un peu de nous, c'est bien. On nous laisse tranquille. Rencontre dans la forêt. Ok, faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille, on a la portée en plus pour y aller directement. Hop. Embuscade ou pas? Ah. Événement. Rencontre de la forêt vampire. Le roi Ghoul, Strigoi et sa suite cannibale ont été aperçus dans la forêt. Bien qu'ils soient en apparence monstrueux, leur histoire est pitoyable. Persécutés par leurs frères, ils fuient à la recherche d'un sanctuaire. Les pauvres, les morts-vivants qui fuient. Ils ne semblent donc pas avoir l'intention de rester longtemps dans la forêt. En les observant de loin, vous pourriez montrer à vos forces qu'elles n'ont rien à craindre de ces misérables. Ou vous pourriez les punir pour leur profanation, comme le voudraient sans doute les esprits de la forêt. Alors, si on les épargne, vampires épargnés, relations diplomatiques plus 5 avec les comtes vampires dans toute la faction, pendant 15 tours. Esprit armes mécontents par contre. Commandement moins 10 pour les dryades et les lémures dans toutes les armées pendant 5 tours. En vrai, c'est un malus acceptable en défausse d'un malus de croissance, ok. Et santé de la forêt, plus 10, ok. Les attaquer, vous affronterez un adversaire au combat. Vampire puni, relation moins 20 avec les comptes vampires. Croissance abondante, gros bonus de commandement et de croissance, et santé plus 10. Et vous pourrez revenir à ce marqueur plus tard. J'ai pas envie de les épargner, c'est que le malus n'est que de 5 tours. Le temps qu'on aille à Béchafen, qu'on construise un équipement de siège et qu'on attaque, en vrai on pourra passer ces 5 tours. Et en plus je pense que ça risque de même pas... Après c'est quand même moins 10, hein. Et le bonus de croissance, alors d'ordre public peut être plus chiant. En fait le problème c'est les relations moins 20 avec les comptes vampires dans toute la faction. Après c'est que 5 tours aussi.
Mais ils risquent de déclarer la guerre pour ça, quoi. Alors que là, plus 50. En vrai, on pourrait limite faire un pacte de non-agression, histoire de se dire, bon, les vampires, on n'a pas trop encore. Bah, alors après, ils pourraient nous trahir. C'est compliqué comme décision, je vous avoue. Ou alors, on peut décider plus tard aussi, hein, en vrai. Le problème, c'est que l'armée risque de grandir, et peut-être les bonus aussi, ou les malus. C'est chaud. J'ai pas envie de faire une connerie, en fait. En vrai, je peux le tenir, les 5. On prend quand même de la thune, et on est immunisé contre la psychologie, contre les contes vampires. La côte vampire, elle est roi des dons pour toutes les armées pendant 15 tours. On va les épargner. On va les épargner, on a pris un malus du coup. C'est que 5 tours comme je l'ai dit. En réalité, on va rester tranquille. En plus, on est à plus 8 d'ordre public ici. On est à moins 7 là, ça tiendra largement. Et on va pouvoir passer ça à plus 2. Et on va passer le tour. On a déjà plus que 4 tours à tenir. Avec le malus. Ah, ça par contre, c'est pas prévu. Les tréfonds des racines du monde sont plus communément appelés les racines profondes. Vos forces peuvent les utiliser pour Ah, voyager sur de on a un longues Amadriade. distances. Toutes les armées présentes dans une région forestière peuvent voyager jusqu'à une autre, mais après avoir traversé les racines Voilà, profondes. ok. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ben en vrai, ils vont vouloir aller vers Neganov, donc on va peut-être obligé de se battre contre eux. Donc embuscade obligatoire, franchement ils ont pas grand chose, même avec le malus de commandement. C'est juste un malus de commandement en fait, donc pas non plus la fin du monde. Et on a un Amadriad malveillant, magie de l'ombre malheureusement, qu'on a déjà. Ouf, on pourra le mettre dans une autre armée par la suite, on va le mettre, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'il a comme stat notre Amadriad? Foule de malicieux, chance d'usine d'embuscade. Voilà, regardez, c'est pas beau ça? Donc on a des gros bonus d'embuscade là, hein, parce qu'entre le. On a les chances d'usine d'embuscade plus 20, plus 20, donc on est à 40, plus après la valeur de base. Chance d'usine d'embuscade 85%, en vrai, je pense qu'on a presque 100% de leur tomber dessus. Après, ils vont aller ici, il faudrait qu'ils passent vraiment par là par contre. En vrai, ils peuvent passer. De toute façon, il y a le fleuve. Donc, ils sont obligés de passer là. Parce qu'il y a le pont du fleuve est là. Donc, ils sont obligés de venir ici. Après, pour être sûr et certain, on pourrait faire ça. On a 34%, ça passe. On est presque sûr de les avoir là. Normalement, ça devrait passer. Normalement. Et donc, là, du coup, on est en train de passer ici à 20, donc on est à 15, non, on a combien là? On est à 23, donc voilà, on est au deuxième truc, donc on a coup de recrutement et santé de la forêt par tour plus 1. Ok. Donc là, en théorie, si l'embuscade n'est pas détectée, ça devrait matcher. On devrait faire une grosse bataille. Pas de chance, échec de l'embuscade. Non, on va le faire. Il n'y aura plus que 3 tours de malus après. On va voir le skin de nos araignées aussi hein, en jeu. Pour être intéressant. On est sur une carte relativement découverte, ce qui peut être intéressant. On a Paris, on a eu 18. Maintenant qu'on a 4. On a 4 ici. En vrai. Parfait, on a la range ici. Donc vous, n'avez pas le déploiement d'avant-garde. Vous allez là. Vous, groupe 3. Donc vous allez ici. Ah, oui, ils ont le déploiement d'avant-garde aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Toi. Ah oui, mais tous les esprits de la forêt, en fait? Non. Mais je viens de découvrir que maintenant. C'est génial. Il est jamais trop tard pour le découvrir. Même la Madriade. En fait, tout le monde.
Tout le monde a l'esprit d'avant-garde. Alors peut-être que. Ah, mais tout le monde, même les. Même... Ah non, il y a juste les unités elfes qui l'ont pas. Et les araignées peut être aussi intéressant. Fais voir un petit peu à quoi elles ressemblent ces petites araignées alors. Est-ce que c'est des araignées genre un peu pauvres? Waouh! Oh non, elles sont vénères! Petite pensée pour ma mère là, si elle voyait ça. Fit, hein? Ok, donc groupe 4. Donc nickel. En vrai, groupe 4, on est bon. Drisha, tu te mets même devant. La Madria, tu vas rester un petit peu derrière quand même. Toi, tu vas rester par là. Le héros est là, tu vas le snipe. Et puis on est bien. Hein. Juste avancer un petit peu. Allez, 4, on avance. Ici, on vient là. Ça, on y va. Et les araignées, on y va aussi. Allez, et toi, tu focus ça. On y va, on y va. Allez, ça va être... Allez, go ici, go ici. Vous allez faire un grand tour. Et vous allez faire aussi un grand tour. Allez, toi. Faut voir que tu m'invoques tout ça, là. Tu vas me l'invoquer ici. On focus là. Ok. Ok. Allez. On go là-dessus, là-dessus. Les araignées. Vous êtes où, mes petites araignées? Elles sont déjà au corps à corps. Elles sont en train d'éclater les archers. Ça, c'est bon. Toi, tu vas me focus ça. Dans la mêlée. Allez, faut que ça tienne le commandement. On sait qu'on va avoir des malus. Ça risque d'être un peu handicapant, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il a comme ça? En déplacement impossible. Ok. Ça, c'est intéressant. Allez, venez ici. Ok, on continue ici. Allez, mes petites dryades. Éclatez-moi ces humains. Hein. Tromar qui est au corps à corps, en train de faire plaisir. La morale, tiens, il est pas très gentil là. Il rigole. Allez, vous, vous revenez. Il va falloir aller assister de ce côté-là. Quand ma dryade est déjà un petit peu. En 7 secondes, on a le sort des. Allez, go. Vous ici. Ça a l'air de bien tenir ici. En vrai, on va continuer à invoquer ça là pour être sûr. On assiste un petit coup. Toi. Tu peux pas balancer ça là? Nickel. Nos archers qui continuent ici, c'est parfait. Les araignées qui tankent. Bon, je pense pas qu'elles risquent de tanker longtemps, mais vous, là-dessus. Allez, les araignées, faut tanker un petit peu. Toi, là-dessus. Allez, Drisha, pour l'instant, ça marche bien. Ça a l'air d'aller. Je pense qu'on peut accélérer. C'est gagné. Super. Super, super. Victoire décisive, on n'aura rien perdu. Regardez-moi ça, nos loups, nos araignées qui ont bien tanké aussi. Nos archers qui ont fait le café, tout le monde a participé pareil. Après, ça reste du bretteur, attention. Hein. Il va nous falloir du lémur assez rapidement dans notre armée pour tanker un petit peu la front line. Donc on va prendre la régène. Hein. 930 de thunes, c'est intéressant, mais là, on sait jamais. Ok, donc. Alors, en vrai, lui, il va nous one-shot, je pense. On va la tenter, on sait jamais. Bon, après, je pense que ça risque d'être quand même chaud, mais bon, ils ont que une unité. Non,
Donc faudra quoi qu'il arrive que l'armée de Starbark on la prenne en embuscade. On avait quand même 85% de chance de réussite. Hein. Alors peut-être qu'on s'est sorti de la forêt, on a peut-être moins. On a quand même des gros bonus quoi. Ils sont là. En vrai, faut juste esquiver lui. Voilà. Je sais pas si on arrive à faire ça. Ouais, à la limite, vous, focussez-moi ça. Bah c'est le héros, le capitaine qui va tout faire. Malheureusement, en plus on a le malus, faut oublier. On lui fait zéro dégâts avec les tireurs. J'ai pas de capacité à utiliser. On lui fait zéro dégâts. Bon bah lui, à lui tout seul, le capitaine, il va se lot 20, 40, 60, 100 elfes. Ok. On va continuer à le kite un peu, hein, en vrai, pour le peu qu'on puisse faire. Il reste encore pas beaucoup de munitions. Bon bah allez, go, hein. On va essayer de le prendre aussi par le flanc là. Sortir les dryades. Allez, je vais me charger tout ça. Ok, on sort, on recharge. Ça va pas jouer à grand chose, mais malheureusement, je pense que. Allez, essayez de me charger ça là. Ça ne passera pas. On peut essayer une dernière charge, mais il lui reste trop de vie, je pense. Ah ouais, non, ça passera pas du tout. Non. Ça, c'est par contre n'importe quoi, mais bon. On aura fait le maximum. Il restera donc un capitaine. Il va peut-être le raser à la limite. Tant que c'est rasé, ça peut aller. S'il le reprend, bon, on ira le chercher. Ça va juste nous ralentir un peu, mais ça nous permettra de temporiser un petit peu les trois tours restants sans. Non, il a rien fait. Oh, et en plus, il revient en bonne marche ici. Bah écoutez, intéressant ça. Très obtenu la ruine des âmes. Commandant plus 5 contre les. Et bah voilà, ça c'est intéressant, ça nous réduit déjà de moitié le malus subi. On a les branches dégagées, donc rendre commandant plus 1 et capacité de recrutement global. Et toi, tu vas continuer à prendre tes trucs. On va prendre ça. Réduction du temps de rechargement. Et notre amadriade. Donc elle augmente l'attaque en mêlée des troupes. Pareil, intéressante, on va la mettre dedans. Boostera toutes les amadriades. Les dryades, pardon. Et du coup, toi, en bonne marche, tu vas dégager. Nickel. On va y aller, je pense. En vrai, ils ont plus rien, donc je pense qu'ils vont recruter le prochain tour. Donc ça veut dire que là, le prochain tour, ils vont avoir juste un seigneur. Et on va leur foncer dessus. Doigt furtif, alors du coup, qu'est-ce qu'on va te prendre? On va te prendre une réduction du temps de rechargement et notre amadriade. On va te jouer de reconstitution des troupes aussi, ça pourrait être intéressant. 3 tours donc. On a un peu de thunes, mais en vrai, on va pas la dépenser. Et on pourrait opter une araignée supplémentaire. Ça va pas trop nous aider. J'espère qu'ils ont pas une armée cachée quelque part. En vrai, on vient de leur péter les deux armées. Donc là, ils devraient normalement recruter un seigneur. On va voir. Voilà, ils ont recruté un seigneur, donc nickel. Ils sont en train de recruter, mais on leur laissera pas le temps. Et normalement, Béchafen, si elle a pas évolué, elle a toujours que 11 slots. Donc c'est parfait. Nickel.
On va les laisser. Combien de tours avant 14 tours, 8 tours avant qu'elle soit sous provision. En vrai, on verra comment ça se passe, mais. On va laisser courir. On n'est qu'à moins 3 d'ordre public. Si on est à plus 8, en vrai, ça passe. Hein. On pourrait même investir sur les murs. On va garder un peu notre thune pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Bonus contre les unités plus 5 pour les unités de cavalerie elfique, puissance désir pour toutes les unités dans ce projectile. Je pense qu'on va partir là-dessus. Les unités ennemies sont affectées par des pénalités défensives temporaires au début des batailles en embuscade. Et chance de succès d'embuscade plus 20%. Et on va avoir 100% de. 100% d'embuscade avec ça. On a le temps de partir là-dessus déjà. Pour avoir des dégâts supplémentaires. Attention à notre diplôme. J'espère qu'on va pas se faire déclarer une petite guerre. On va voir aussi avec les comptes vampires pour profiter un peu de l'alliance. De l'alliance qu'on a. Pendant 15 tours, enfin pas. Oh putain, l'Osland. L'Osland qui est uni contre nous. Après, ils sont un peu loin, mais ils peuvent venir par l'ouest. Alors, après, on a une garnison niveau 2. On a récupéré des guerriers faucons. On a quand même pas mal de choses sympas. Ouais, ça augmente un petit Manfred. Hein. Ça peut monter jusqu'à 15. Hein. En gros, j'ai limite envie de faire ça, quoi. Non, après, il faut vraiment que je passe niveau 3, il me faut 7000. Ouais, j'ai peur de l'Osland, mais en vrai, enfin, avec l'armée, avec la garnison qu'on a, une armée de début de partie peut rien faire. Sylvanie qui déclare la guerre au Stirland. Ouais, voilà. Un traité de paix, on va dire, bien entendu, non. Alors, glamour accru, entretien plus 10% pour les dryades et lémures, et coût de recrutement moins 20 pour tous les elfes, d'accord. Et là, on va plutôt prendre le bonus de défense en mêlée pour les dryades, les armures, les lémures et les hommes arbres. Et on n'a plus le malus. Ah, si encore. Non, on n'a plus le malus, on n'a plus le malus du tout. En vrai, on peut la faire. Elle sera plus faisable, plus facilement faisable en auto que en. Le problème, c'est que les dryades de mémoire, ça monte au mur ou pas? Je me rappelle plus. Je me rappelle même plus si ça monte au mur, les dryades. Il me semble que oui. Parce que si ça monte pas au mur, on a la merde. Ah tiens, on pètera la porte, quoi. Bon, on va y aller maintenant. Hein. Comme ça, on finira l'épisode dessus. Peut-être, hein, sur la prise de l'Ostermark. Alors, hop, ah non, elle monte pas notre dryade. Ah, ils nous ont mis nos elfes à l'intérieur. Bon bah écoutez, de toute façon, j'ai envie de vous dire, tant pis, hein. On a quand même du lourd pour aller péter la porte, mais... Donc on va faire sortir, ça des équipements de siège. Ah si, elle monte. N'importe quoi, ça. Hop, hop. Je sais pas pourquoi ils mettent les elfes à l'intérieur. Allez, tout ça, ça vient aux portes. En vrai, les chaussures, on va les sacrifier. Ça prend cher. Hein. On peut pas les invoquer sur les murs, malheureusement. On peut pas non plus les invoquer de derrière. Hein.
Sérieusement, les portes sont déjà ouvertes. Les portes sont détruites. C'est pas déconné. Bah les go, hein, c'est pas du large ça. Hein. Les loups et tout, c'est pas du large. Donc go. Alors là, du coup... on va débuff tout ça. Attention quand même à la Madriade. Allez, go là-dessus. Ok, on continue ici. Toi, tu continues là. Ouais, bah vous pouvez y aller, les gars. Allez, on continue à débuff un peu de ce côté-là. Toi, pareil, tu vas me débuff ça. Toi, tu vas me faire ça ici. Je pense que la forêt s'en sort. Allez, Dryad. Elles sont stylées, ces petites dames. Belle map hein, quand même. Hein. Bon, les sharks ne servent pas trop dans la bataille des sièges comme ça. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Alors. On va accélérer. Ça sert à rien de la continuer. J'ai quand même eu un gros doute sur les dryades. Hein, sur le fait qu'elles puissent monter au mur. Bon, il reste que le capitaine. En vrai, c'est encore un capitaine qui va one-shot mes unités. On va mettre Brisha. Brisha, tu viens là. Tu viens me le buter. Ah, il y en a deux en plus. Ok, ça fuit. Bon, bah voilà. Ce sera une victoire décisive encore et on pourra finir sur cette belle petite victoire sur l'Ostermark. Sans ne rien perdre. Donc pour l'instant, un début de campagne qui se passe plutôt bien. Vous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on va rester dans notre stratégie d'occuper, comme je vous ai dit, pour le début, pour la province adjacente. On occupe et on occupe donc l'Ostermark. Sur laquelle on peut toujours pas construire de bâtiments spéciaux, pardon. Et on a l'attaque éclair. Et ça fera une belle note pour finir. L'attaque éclair et notre Amadriade niveau 4. On va la spécialiser plutôt combat. Pour l'instant. Nickel, on pourra monter ça, gagner 700 au lieu de 600. Et on pourra monter donc nos lémures, on a dit. Et en plus, on a la thune pour le faire, donc on va le faire maintenant. Et ici, on va prendre le bâtiment encore de croissance pour les provinces adjacentes. Et on va utiliser dès le prochain épisode, on essayera le passage de la forêt. Donc maintenant qu'on a notre forêt ici et qu'on la heal, hein, on est à 38. On est presque à un point du niveau supplémentaire. Donc santé par 2 plus 2 et coût de recrutement moins 10%. Et on pourrait recruter quoi encore des loups. Mais pour l'instant, pas de grands faucons ni de manticores pour le moment. Mais en vrai, on est pas mal. Niveau 9, donc prochain niveau, on aura l'unité de renom. On aura les gardes au cœur d'hiver de Asrai. Sirland, même toujours pas. Eux, ça montre à plus 3, mais ça va être un peu long. Et ben, à voir. À voir, du coup, nos stratégies pour la prochaine fois. On pourrait monter aussi ça, passer de 300 à 400. Pourquoi pas. Après, on commerce pas, malheureusement. À voir, vous me direz un petit peu où vous voulez que j'aille d'ailleurs dans les commentaires. Vous par contre vous m'inquiétez, qu'est-ce que vous faites là? Tu dégages toi hein.
Rappelle-toi que j'ai sauvé des vampires quand même. Donc merci à tous les gars d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On n'est pas loin de l'item de quête de notre Drisha. Donc merci à tous, passez une très bonne journée, portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo. Si vous l'avez apprécié, un petit commentaire bien entendu sera toujours le bienvenu. Portez-vous bien et à très très bientôt pour la suite des aventures de Drisha. Et à bientôt, merci.